donner un petit aperçu de quelque chose. Alors là, on ne s'est pas coiffé du tout, j'ai pas mal d'huile sur les pointes et tout. Donc vous voyez sans vraiment voir, on gardera le suspense jusqu'à ce que ce sera vraiment bien. Je me suis levée il y a une demi-heure, Joe il y a trois quarts d'heure, mon homme aussi, le petit on ne sait pas. Je pense qu'il a campé toute la nuit devant la télé. Non mais voilà, il s'est levé tôt. Je vais déjà commencer par vous dire qu'il y a peut-être eu un petit couac au niveau des vidéos. Mais ça va se refaire, c'est juste que voilà, ce sont les vacances. Et que j'ai pas forcément le déclic de vous mettre la vidéo pour le mercredi et le vendredi et tout. Voilà, c'est juste ça. Donc pour demain, il est censé avoir une vidéo. Je sais pas si j'arriverai à la monter ou pas. Parce que il y a des choses qui arrive depuis 2-3 jours qui font que je sais pas si je vais avoir le temps. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. On va faire tout de suite les points à la météo. Il fait gris, mais il fait bon dehors. Il fait pas froid du tout, bien au contraire. Mais il fait super gris. Ensuite, la tenue, là je suis encore en pyjama hein. Donc un t-shirt avec un t-shirt, voilà, tout simple dans les roses. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je n'ai absolument aucune idée. Si ça se trouve je vais rester comme ça, j'en sais rien. Pour l'humeur, on va dire que c'est plus que mitigé. Puisque... Il est 5h30 et en fait je pense que la journée d'aujourd'hui et la journée de demain seront toutes les deux dans un seul vlog, tout simplement parce que j'ai rien filmé aujourd'hui, on n'a rien fait d'intéressant en fait. On s'est juste posé, on a pris le temps de discuter de tout et de rien autour d'un café, autour d'un goûter, voilà. On a tout simplement fait que ça parce que mon homme n'est pas bien pour certaines raisons et parce qu'on était tous, on a un peu tous le contre-coup de la chaleur. Donc voilà, on a quand même un petit peu désherbé, mais genre, allez. On a fait ça pendant une heure max. Là maintenant il pleut donc on est à l'intérieur, voilà. Et puis voilà un petit peu tout ce qu'on a fait. Là ce que je vais faire c'est que je vais me faire les ongles parce que là c'est plus possible. Et vu que hier on était mercredi, que je me suis pas fait gommage etc. Je vais tout faire là, même s'il est encore un peu tôt. Je vais me prendre le temps pour moi, voilà. Je pense que, en fait j'en ai besoin à mon avis. Je me rends compte que dans le retour écran j'ai une sale gueule, mais un truc de fou, mais c'est pas comme ça en vrai. Donc voilà, sinon ce qu'on a fait c'est que, enfin Joe a pas mal bossé aujourd'hui puisque il a, mon dieu, c'est horrible, la gueule que j'ai c'est horrible, c'est pas possible, c'est pas possible du tout. Il a coupé les cheveux à mon homme et au petit, donc ça je suis plutôt contente parce que c'est... c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis pas mal de temps et là maintenant c'est fait. Donc voilà. Voilà. En gros. Donc il a bossé plus que nous en fait, Joe. Mais ça fait du bien aussi de ne rien faire et de se prendre le temps juste d'apprécier des choses toutes simples comme une discussion entre amis. Vraiment parler de tout et de rien ou juste écouter de la musique avec des personnes qu'on apprécie. Voilà, donc c'est pour ça que la journée d'aujourd'hui sera combinée à la journée de demain. Vous aurez deux jours en un, voilà, tout simplement. Et puis voilà, sinon je n'ai toujours pas monté le vlog de la journée de hier. Je ne sais pas si je vais la monter là ou si je la monterai demain, j'en sais rien du tout. Mais là j'ai envie de prendre du temps en fait pour nous et pas forcément être constamment à l'ordinateur. Je sens que j'ai vraiment besoin de me détacher là, de profiter de ces vacances et de ne surtout pas rester devant un écran enfermé. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous comprendrez.
je peux dire tout. Coucou tout le monde, on est vendredi le 22 juillet, il est 10h57 et on est dans la voiture, et bon, ça se voit, et du coup, et ben voilà, vous voyez le résultat, je sais pas si vous allez bien voir, mais moi j'adore, si vous aimez pas, bah ben tant pis, vous quittez tout de suite le vlog et puis c'est tout, ça changera rien à ma vie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est avec le petit, on est avec Joe, on est avec le chéri, et on est donc en voiture, ça démarre bien, ce début de vlog. Fois déjà on est en voiture. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne chez SFR. Je pense qu'on peut prendre maintenant un abonnement là-bas pour le café ou je sais pas, pour les visites. Parce que en fait mon homme donc a son nouveau téléphone, mais ce qu'on ne savait pas c'est que sa carte SIM n'allait pas dans le nouveau téléphone, merci la technologie. Donc du coup il a dû attendre une nouvelle SIM parce qu'une connasse chez SFR lui a envoyé directement alors qu'il n'avait pas demandé qu'on lui envoie, il voulait juste un renseignement. Donc pendant 2 jours il n'avait pas de téléphone. Quand il a eu sa carte SIM, on a fait la danse de la joie et là ça ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas de réseau. Voilà, donc la carte SIM, elle bug. Donc c'est une toute nouvelle, mais elle ne fonctionne pas. Je comprends pas l'intérêt de l'avoir envoyée, mais bon, bref. Donc on y retourne, et comme je savais absolument pas quoi vous vlogger, que j'avais pas envie de vous revloguer, et j'ai des cheveux, je suis en train de bouffer mes cheveux, j'avais pas envie de vous revloguer ma tronche au bureau en vous disant, bah voilà, les points ci, ça, 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 ça. Je me suis dit, on va avec, donc ça a été un petit peu, on s'est un peu beaucoup dépêché. Pour se finir et enfin pour se préparer et tout ça. C'était bizarre ce que je viens de dire. C'était très bizarre. Et je me rends compte que oui, gardez bien cette image là parce que là je suis non, il y a voilà, comme ça je suis top. Je suis pas comme ça en vrai, hein. C'est juste que ça joue en ma faveur aujourd'hui. J'aime bien ce filtre là sur le caméscope. Ben grosso merde les points, le temps, il fait gris mais il fait pas froid puisqu'il y a 19,5 mais c'est super agréable. Il fait super humide donc Joe il va faire la gueule toute la journée. Ouais, voilà. Donc voilà le temps, la tenue, et ben j'ai un ce haut, vous le connaissez, il vient de chez Gémeaux avec une sarouelle en bas beige et avec mes sandales tigris, voilà tout simplement. Joe pour la tenue. Très simplement, un haut Tchekiabi que j'ai depuis des trentaines d'années. Ah non, j'ai pas 30 ans. Et un petit bas que j'ai constamment. Ah, on voit pas constamment tout le temps. Attends, on voit pas. Bon, c'est pas grave, on verra peut-être. Enfin voilà, c'était un pantalon Bershka que j'ai coupé qui coûtait 40 euros. Bon, donc ce moment, il était craqué. Voilà. Donc, pour l'humeur, ça va, on a bien dormi. Le chéri, ça va mieux. Donc, merci Corinne de t'inquiéter. T'inquiète pas. Si, ça va aller. Ça va aller. Merci à toutes les autres qui lui ont aussi souhaité son anniversaire en retard, comme Calouie, comme Tina, comme Nina, comme... oui, non, je crois qu'elle, c'était dans les temps. Bon, bref, merci à toutes. J'ai transmis. Et puis, ben, j'en étais où? J'étais à l'humeur. C'est très compliqué aujourd'hui. Oui, l'humeur, non, ça va. Ça va. Alors là, le programme, c'est je tente de finir le lookbook qui devait sortir il y a une demi-heure. Donc forcément, il ne sera pas en ligne. Et je vais vous rassembler la journée de hier et aujourd'hui. Vous l'aurez donc soit ce soir, soit demain. Voilà, vous aurez 2 jours en condensé. Je vais en profiter pour vous parler rapidement de ce qui va se passer sur ma chaîne les prochains jours parce que je pense que ça va totalement changer dans le sens où j'ai vraiment besoin de déconnecter et de profiter des vacances parce que si mon homme a pris un mois de vacances, c'est pour en profiter, mais aussi qu'on en profite ensemble. Enfin, je pense, je crois. Ouais, c'est toujours mieux. Pourquoi tu parles toujours tout bas pour qu'on t'entende pas? Et ouais, tu réponds pas. J'arriverai un jour à te faire parler. Et donc du coup, ben, je ne vais certainement plus avoir les vidéos tous les vendredis, tous les mercredis. Je vous les posterai quand je peux. Et les vlogs, pareil. Voilà. Voilà, tout simplement parce que j'ai aussi d'autres obligations par rapport au trendy show et c'est très compliqué aussi de tenir ces engagements-là parce que j'ai une vie de famille et parce que voilà, hein, j'ai une vie tout simplement, donc c'est assez compliqué. Donc les filles, si vous passez par là, je suis désolée, j'y pense, mais ça va pas assez vite pour vous, mais c'est comme ça. I try to fix it. I try to picture someone else but you.
Croque-coucou, 2h30, enfin même quasiment 3h moins 20, on vient de finir de manger, donc on a fait que des restes. Et en fait, on a vu qu'on a fait des pâtes hier, ce qu'on a fait, c'est que... C'est que j'ai fait une salade de pâtes tout simplement, c'était parfait, comme ça, ça a fait, on a pu mettre pas mal de choses dedans. Et bah, y avait le manque de viande, on l'a pas trop senti. Il n'y avait qu'une saucisse par personne, et puis ça allait très bien. Moi, ça m'a pas perturbé. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que mon homme m'a annoncé le programme de ce qui devrait être fait. Le souci, c'est qu'il a commencé à pleuvoir, donc c'est un peu, ça nous bloque un petit peu. Mais je pense que là, il a arrêté de pleuvoir. Donc c'était une fausse alerte. Donc là, ce que je fais, c'est que tant que mon homme ne se décide pas, je continue le montage d'un lookbook qui devait arriver aujourd'hui, qui arrivera je ne sais pas quand. Et puis après on verra, mais je pense qu'il va falloir quand même que je me bouge un peu le fion, parce que là les mauvaises herbes, en fait c'est le bon plan, qu'il a pu s'en sortir tout seul et tout. Donc voilà, encore une journée super passionnante en fait. Oui. Sinon toi, les cheveux, voilà un peu le résultat. Je sais pas si vous allez bien voir ou pas, mais moi j'aime beaucoup. Je sais pas si on voit les petites mèches roses. Je sais pas si ça se voit quand même, certaines mèches roses, je sais pas. Et d'ailleurs, toute la vidéo sera en ligne dimanche. Ce dimanche ? Ce dimanche. Ok, d'accord. Ça me fait ma vidéo de dimanche. Bah, c'est très bien, parce que ce vlog, ils vont le voir demain, donc samedi. Ah bah c'est bon. Donc, c'est juste parfait. Voilà. Bah, on vous dit... Non, tu veux dire quelque chose ? Non, j'ai rien à ajouter. Bon, bah, on vous dit à tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. We'll be right back.